Mince, mais c'est dingue ça! Bah ouais, je sais pas comment je fais. Mais tu peux pas perdre ne serait-ce qu'un petit peu? Non, je peux pas. Et tu dis que ça fait 4 jours que ça te fait ça? Bah à peu près, ouais, ça fait depuis samedi dernier, là, que je sais pas, j'ai un mal de crâne pas possible, je sais même plus qui j'étais, ni où j'étais, ni à quelle époque, le blackout complet, quoi. Et tu as pensé avoir un docteur? Pour le pouvoir ou le mal de crâne? Pour le pouvoir, non? J'imagine déjà la scène. Donc, vous dites que vous êtes incapable de perdre à Paris. Oui, c'est ça, un pari. Ou même un jeu, d'ailleurs. Je suis incapable de perdre, c'est assez dingue, quand même. Ah oui, aussi. Et je suis amnésique, aussi. Enfin, je crois. Ah, mais ça explique tout. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez reçu un choc sur la tête récemment? Non, je ne pense pas, ou vite fait peut-être. En fait, c'est comme si ma tête avait effacé tous les événements du mois dernier. Vous travaillez dans la maçonnerie? Non. Vous êtes dans le bâtiment couvreur? Non plus, non, rien de tout ça. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Si, je vous crois. Bon, très bien. Cachez vos doigts. Très bien. Alors, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 2. Oh, vous pouvez fermer les rideaux ici. Et maintenant les deux mains, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, 5. 3, 1, 2, 8, 4, 5, 3, 9, 1, 2. Je suis désolé, cela dépasse mes compétences. Allez plutôt voir un exorciste. Un exorciste. Un exorciste. Bah tiens, figure-toi que j'ai essayé là, bah tiens, pas plus tard qu'hier là. Et ça donnait quoi? Tu me croiras jamais. Démon. Sors de ce corps par les pouvoirs qui me sont conférés. Boba Fett, Baphomet, Satan. Je ne suis pas sûr que... Ah voilà. Je suis sûr que vous allez beaucoup mieux. Paris, ce que vous voulez... Choisissez mieux vos mots quand même. Que je ne vais pas me jeter par cette fenêtre d'ici 10 secondes. Ah, tenu. Énorme. Vous savez, il y a une piscine là en bas. Mais c'est dingue! À qui le dis-tu? Et du coup, tu as essayé de jouer au taux, juste pour voir? Un peu ma gueule. Tiens, balance-moi ça. Oh! Énorme! Comme ma bite. Et t'aurais pas pensé, par pur hasard, à parier sur la paix dans le monde? Est-ce que ça marche? Non, en fait, écoute, j'ai fait plusieurs tests, hein, et j'ai remarqué que, en fait, mon champ d'activité ne fonctionnait pas plus au-delà de 100 mètres. Donc, ma limite, c'est à peu près 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres, j'ai fait plusieurs tests, en fait, et j'ai remarqué que mon pouvoir ne pouvait s'activer que si je voyais la personne ou l'élément du pari, quoi. D'accord. Tu ne peux pas dépasser 100? Ah, 101 mètres, c'est grosso merdo, quoi. J'ai passé avec un radar dans le cul. Et tu as essayé une émission télé? Mec, c'est quoi toutes ces questions d'inquisiteur, là? Oh, je suis venu là pour me confier, quoi. Oh, désolé. Mais franchement, c'est cool quand même ton pouvoir. Bah, c'est cool. Tu parles, je fais que gagner. Vas-y, c'est à toi. Et c'est pas bien? Bah, non. T'imagines un peu, je gagne, je peux jamais jouer pour de vrai. Et si tu faisais esprit de perdre? Alors comme ça, si j'arrive le premier au poteau là-bas, tu me donnes 100 euros. Comme ça, là, gratuitement. Ouais, comme ça, là, gratuitement. T'essaierais pas de m'embrouiller, là, au moins? Non, pas du tout. Tiens, regarde. On va commencer par 50 euros. Bon.
Eh bien, laisse-moi te dire que t'es fichu, mon pote. J'ai été élu 3 fois dans la même année meilleur coureur du département. Oh, 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 c'est bien ça, bravo. 3, 2, 1, parti! Ne me dis pas que... Bah, si. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Ouais, t'es où, là? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous pourriez m'aider à traverser? Je suis désolé, j'ai pas le temps. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez m'aider à traverser? Ah, bien sûr, pas de problème. J'aurais jamais dû manger mexicain. Eh, je double! C'est 200 boules! Désolé. Eh, tu sais, tu peux encore gagner, hein. Je vais pas bouger. Tu me donnes 100 euros, comme ça, là, gratuitement. T'essaierais pas de m'embrouiller, là, ou? Ah, ouais, c'est ça. Et dès que j'aurai touché le poteau, il va me retomber sur la gueule. Oh, bah ça, je sais pas. Ouais, c'est ça, allez, je me casse. Attends, me laisse pas gagner, merde. Tu sais quoi? Tiens, reprends ton acompte. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Le vaudou, c'est mal, ok? Du vaudou. Du vaudou, non. Mais tu reconnaîtras que statistiquement, c'est un peu gros, quoi. Entre le loto, les cartes, les paris que je fais comme ça, à droite à gauche, il y a un problème, quoi. Mais donc tu ne peux pas perdre, mais vraiment, du tout. Bah non, mais tu sais quoi, j'ai bien réfléchi et je me suis dit que sur cette terre, il devait bien y avoir quelqu'un d'autre que moi qui a dû être touché par le doigt divin, que ce quelqu'un pourrait avoir le même pouvoir. Tu vois où je veux en venir, quoi. Non, pas vraiment en fait. Mec, imagine si quelqu'un comme moi ne pouvait jamais perdre et que je l'affrontais. Qu'est-ce qui se passerait? Un match nul? Non, probablement que les deux talents s'alignaient quoi. Et que du coup, le seul gagnant, c'est celui qui aurait le vrai skill, le vrai swag. Et si tu parlais que t'allais perdre en fait? J'ai déjà essayé, mais... Tiens, regarde. On continue? Si tu veux. Ah ouais. Mais match nul, c'est gagner ou perdre le pari? Comme tu viens de le dire, match nul. Nul. Et tu vas t'y prendre comment pour trouver ton gagnant? Bah, je me suis dit que mon petit Pierre allait m'aider à jouer à la chasse au trésor. Ok, pas de problème.